yeah. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again. Salut les Breakers, très content de vous retrouver dans ce nouveau vlog. On est au Portugal sur un 25 000 $. Donc pour rappel, après Closters, j'ai fait 3 semaines off pour faire les matchs équipe en Allemagne. On est arrivé avec Baptiste avant-hier à Lisbonne. On est venu hier en train ici. Ça a duré donc 3 heures de train. On a atterri à Castelo Branco à une demi-heure de taxi. On a pris le taxi avec monsieur Courtney Locke, le frère de Benjamin, le Zimbabwéen que j'ai joué à Cherbourg. Là, on est sur le deuxième site du tournoi. C'est un camping. Il y a deux terrains. De quick extérieur assez rapide. Ce sont aussi des quick là-bas sur le site principal où on va jouer. Je savais pas, c'était marqué hard sur le fact sheet, sur la feuille de données qu'on a pour voir où est le tournoi, etc. Très rapide, donc voilà, pas évident. Il y a ça un peu à Aiguir et à Montélimar en CNGT, donc finalement tous les ans je joue dessus, je suis assez habitué. Mais bon, c'est très rapide, va falloir bien servir, va falloir. Ça glisse un petit peu aussi, va falloir bien défendre parce que on peut patiner un petit peu. Bref, je suis tête de série numéro 7 du tournoi sur un 25 000, donc c'est très rare. Je ne le serai pas souvent à ce classement-là. Pourquoi ? Parce que c'est pas facile d'accès ici. Il fait très chaud et bah, les terrains sont vraiment pas top et l'endroit est pas génial. Donc voilà, donc j'ai une bonne carte à jouer. On va essayer de faire le max. Là, entraînement, je joue que demain. Donc là, entraînement ce matin, entraînement cet après-midi. Je joue demain contre un Chilien. Je crois qu'il est 800 ATP. Je vous dirai ça plus demain. Là, échauffement, entraînement, et puis je vous revois tout à l'heure. À tout de suite. Fini. Des matchs du premier tour sont finis. Moi, je joue demain à 9h. Du coup, il fera pas chaud. Ce sera nickel. Levé vers 6h30. Donc, je joue un Chilien qui est 800. Ça, je l'ai déjà dit. J'ai regardé un peu sur YouTube comment il jouait. Après, il n'y a que des matchs sur terre battue. Il joue beaucoup sur terre, pas beaucoup sur dur et encore moins sur quick. Je suis pas sûr qu'il ait joué sur cette surface-là. Donc voilà, jeu Chilien classique, un décalage coup droit. Bonne giclette en coup droit. J'ai pas vu grand chose de plus, donc demain on verra comment c'est. Là j'ai eu beaucoup de mal à retourner dans les premiers jeux, je me suis un peu habitué à la fin. C'est très rapide, ça glisse beaucoup, donc j'ai pas beaucoup d'appui, mes chaussures sont pas forcément neuves. Donc là ça glisse beaucoup, c'est pas évident, c'est très rapide. Donc heureusement que j'ai joué deux fois aujourd'hui, heureusement que j'ai fini par un set. J'ai gagné 6-4. Donc voilà, c'était bien sympa. Et puis bah c'est parti, hein, de ce soir repos, on mange avec Bat tranquille, et puis on se couche très tôt. Et demain, c'est parti pour la bataille. Donc les Breakers, je suis avec Cody, avec qui j'ai fait un set d'entraînement. C'est sa première fois sur Quick, il n'a jamais joué dessus. Normalement, c'est sur Green Set en général, en Australie et aux US, puisqu'il est aux Unis là-bas. Donc je lui ai demandé un peu qu'est-ce qu'il ressent cette surface. So how do you feel about this surface compared to the Green Set normal? It's pretty tricky to play on this stuff. I mean, very very fast, a lot faster than normal. I mean, I'm not used to it, I've never really played on it before. And it's like, to get your footing is a little bit difficult, like it's a little bit slippery. It's also the bounces aren't always even because there's the little cracks down the court. Il y a les rainures classiques de quick, hein, comme vous connaissez par cœur dans les clubs, donc ça peut être un peu tricky comme il dit, puisque ça peut avoir un fourbon à tout moment, quoi. But I feel like it's pretty difficult to change direction. That's true. And to run a little bit, it's a bit slippery. Thank you very much. Thank Good you. Luck tomorrow. Thank you. Thank you too. Bon, 10
minutes avant le match, je me suis échauffé avec Baptiste 25 minutes. Et puis là, on va rentrer sur le court. Il peut parler les terrains, les bouteilles d'eau, les chaises. Moi, j'échauffe physiquement encore un petit peu pour monter un peu de cardio. Et puis, go pour le match. Allez, c'est parti pour ce premier tour à Idana Hanova. Vous l'avez vu, les bons quicks très rapides. Gros coup droit. Balle de break d'entrée, il me sort encore un gros coup droit. Il fait le jeu autour de son coup droit, je l'avais vu un peu sur les vidéos YouTube. Ça se concrétise. Vraiment très très bien sur ces premiers jeux, je peux pas faire grand chose, 2-0 contre moi tout de suite, ça part vraiment pas bien. J'essaie de voir côté revers commencer, j'ouvre le côté revers, j'arrive pas à y aller et un coup droit il fait vraiment mal tout de suite. En revers ça donne quoi? Revers à une main, il se décale tout de suite et il refait encore un coup gagnant. Là, j'ai dû prendre au moins 5-6 coups gagnants d'entrée. Double break sur quick très rapide, c'est vraiment pas bon signe. Un beau passing, je débreak, je me souviens il a fait deux doubles fautes de suite, pas de suite mais dans le jeu. Important de prendre celle-là pour revenir au score. Là mentalement je suis partagé parce qu'il fait 3-0, il joue vraiment très bien, je peux pas faire grand chose, ça va trop vite pour moi. Il se décale en coup droit et il envoie vraiment du lourd. Et là j'arrive quand même à faire 3-2, balle de débreak. Mon retour il est pas mal pris. J'ai du mal à y aller en coup droit. À bien traverser la balle. Je m'en sors bien. Alors bien sûr là on met que les super points, mais là depuis 3-1 il commence à faire beaucoup plus de fautes par rapport au début du match. Donc j'en profite. On n'a pas beaucoup d'appui, ça glisse un peu. C'est un coup vraiment très usé, très vieux. Je peux pas bien défendre comme j'aimerais. Il faut que j'évite de trouver cette zone là qui lui permet de se décaler en coup droit. Heureusement là il m'offre le break. Je suis très loin de ma ligne. Alors oui, comme d'habitude, mais là j'ai besoin d'avoir vraiment du temps, parce que c'est vraiment très rapide. C'est un joueur qui est assez complet quand même. Il monte au filet quand il faut, il volaille bien, son revers est pas si mal, il slice, il varie, il fait à plat, et un très gros coup droit. J'aimerais pas trop le jouer sur terre battue. Et mon breaker, surtout si tu kiffes la chaîne, si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à appuyer sur le petit bouton, à s'abonner, c'est super important, surtout si tu veux suivre mon retour sur le circuit ATP. Je suis quand même beaucoup mieux dans le match, je fais moins de fautes, je joue plus long, je neutralise, et lui il fait quand même beaucoup moins mal en faisant beaucoup plus de fautes. Ça, en général, quand vous avez un adversaire qui vous met tout de suite 3-0 double break, vous sentez que vous pouvez pas faire grand chose et que c'est pas forcément habituel pour lui, surtout ne lâchez pas. Jouez point par point en étant concentré et appliqué sur ce que vous devez faire et la tactique à aborder contre ce joueur. Il y aura forcément un moment donné où il va avoir un petit trou, une petite brèche.
et faudra prendre les points importants pour revenir. Comme j'ai essayé de faire au premier set. Là, super défense, beaucoup de réussite surtout. Mais bon, il en faut. Et il monte beaucoup plus au filet maintenant, parce qu'il a vu qu'au fond du court, bah, il arrivait beaucoup moins qu'au début de match. Il essaie de trouver des solutions en écourtant un peu les échanges, en prenant la balle un peu plus tôt et en montant au filet. Victoire. Bon, victoire les Breakers, 6-3 à 6-1 contre ce Chilien. Début de match très compliqué pour moi, je perdais 3-0. Il a dû faire 6-7 coups gagnants, il me semble. J'arrivais pas bien à voir où allait sa balle. En coup droit, franchement, il avait un bon coup de pétard. Voilà, je pouvais rien faire, ça allait trop vite pour moi. D'autant plus que, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, c'est du quick assez rapide. J'ai pas des bons appuis, je suis pas stable, ça glisse un petit peu, donc je pouvais pas contrer assez bien. 3-0, il sert, donc double break. Et là, il fait un jeu un peu fantôme, deux doubles, une faute. Je débreak 3-1, je serre 3-2. Et là, voilà, plus qu'un un break pour lui. Et finalement, je rebreak. Et en fait, là, à partir de ce moment-là, il commence à faire beaucoup, beaucoup de fautes sur les 2-3 premiers coups qu'il fait. Donc c'est comme ça que je grappille des jeux, puis en fait j'arrive à 6-3, 2-0 pour moi. Et clairement, je mets la balle dans le court et il tente en coup droit, mais ça fait des fautes, ça sort. Et puis 6-3, 2-0, 2-1 et puis 6-1. Et puis après, voilà, il a continué à faire un peu de fautes, il a joué un peu plus lentement à un moment donné, mais je la tenais pas si mal que ça, et il loupait au bout de la 6-7ème. À la fin, il commençait à monter au filet, mais j'ai fait des bons passings. Donc voilà, clairement, je me voyais pas beau au début du tout. Vraiment à 0-3, je pensais que ça allait durer très peu de temps et que j'allais prendre un petit 2-3 tranquille. Retour à la maison. Finalement, ça s'est complètement inversé. J'ai essayé de. En fait, il avait un revers à une main et un très bon décalage coup droit. J'ai essayé de faire des revers un peu le long de la ligne pour vraiment pour le déporter un petit peu et pour toucher après son revers. Et après, je touchais son revers, j'arrivais à neutraliser un petit peu. Il y avait un peu plus d'échanges. Du coup, il a fait un petit peu plus de fautes aussi. Voilà, super content de m'en être sorti. Ça rejoue demain. Mon adversaire a gagné son match hier 7-5 au 3ème set. Je sais pas du tout qui c'est, quelle nationalité il est, mais je regarde ça ce soir. Et puis bah, cet après-midi, on est avec Baptiste. Je sais pas ce que je vais faire encore. Certainement, c'est sûr, déjeuner, sieste, à voir en fin d'après-midi si je retape un peu la balle ou si je vais courir pour transpirer un petit peu. Voilà les Breakers, je vous dis à tout à l'heure. Bon, on va chercher notre déjeuner avec Baptiste. Alors, faut savoir qu'ici, c'est un tout petit village, il y a 2000 habitants, ville un peu fantôme. Il y a zéro magasin, zéro boulangerie, il n'y a pas de commerce du tout. Il y a un grand commerce qui est à 2 mètres de l'hôtel, c'est Intermarché, donc on a beaucoup de chance de l'avoir. Et sinon, il y a deux restaurants dans la ville, un qui était fermé hier, donc il n'en restait plus qu'un. C'est à 15 minutes de marche, 10 minutes de marche. Et voilà, donc là, on va à Intermarché, on va chercher du poulet à manger. Pommes de terre et un peu de salade, voilà. Allez, c'est parti. Là, ça me plaît. Un petit chicken, pommes de terre. J'espère que c'est pas trop gras. Et la salade. Magnifique. Bon, on est dans le seul restaurant ouvert à Idana, à Nova. On est avec Cody, l'Australien avec qui j'ai joué cet après-midi pour retaper un bal et pour transpirer un petit peu, pour éliminer un peu les toxines. Donc demain, je joue un Portugais qui s'appelle Rocha. Je crois qu'il est jeune. J'ai regardé un peu sur YouTube comment il jouait. J'ai vu qu'il faisait énormément de services volés. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer demain. Je pense qu'il va faire beaucoup de services volés. Donc, c'est son point fort. Moi, mon point fort, j'aime bien passer, faire des passings. Donc, ça peut être deux styles différents, assez marrants à regarder. Donc, ça va être cool. Il va falloir être bien concentré. Ici,
il faut vraiment bien retourner, il faut être appliqué au retour. Je pense que voilà, service retour très important, que ça se passe rapide. Voilà, donc fin de la journée, on a mangé, on a fini, on va retourner à l'hôtel, récup. Petite série pour, voilà, pour se relâcher un petit peu. Et puis demain, je joue en deuxième rotation à partir de 9h, donc vers 10h30. Il fera plus chaud qu'aujourd'hui, donc à mon avis, je jouerai sous 32-33 degrés facile. Voilà, hâte de vous montrer ça. Et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog. Et surtout, très important, abonne-toi à la chaîne YouTube. C'est super important, surtout si tu veux suivre mon retour sur le circuit ATP. Salut les Breakers!